Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de caméras connectées. On va parler de caméras à 360 degrés IPX65, donc complètement hermétique, caméra extérieure de la marque Miko, donc une marque très spécialisée dans les caméras de surveillance, une caméra bien sûr Wi-Fi que vous allez pouvoir brancher à l'extérieur, compatible iOS Android. Détection de mouvement. On a donc ici un petit code QR pour télécharger l'application sous iOS et Android. Et cette caméra est vraiment puissante puisqu'elle va pouvoir suivre les personnes indésirables sur votre terrain et vous envoyer des notifications. On va tout de suite faire l'unboxing de cette caméra Wi-Fi. Vous allez donc pouvoir converser avec les personnes à l'extérieur. 1080p, enfin, elle a tout d'une grande caméra de surveillance. C'est parti les amis pour ce déballage. Alors, on est sur une boîte carrée, classique, avec le dessus qui s'ouvre comme d'habitude. Tout de suite, on rencontre cette petite notice en français qui vous explique pour comment brancher votre caméra. Alors, on va la sortir. Vraiment une grosse caméra, une caméra pour professionnels. Alors voilà, ici, on a donc le socle, une connectique pour aller connecter notre caméra au mur. On a un câble USB qui relie la caméra. Notre caméra est de couleur noire. Elle se pose comme ceci sur le mur. Et cette caméra, comme vous pouvez voir, va tourner à 360 degrés. Elle est capable d'aller voir dans tous les coins où vous l'avez placée, détecter une personne et la suivre en temps réel. Et Alexa est même capable, votre iPhone, votre smartphone est même capable de vous envoyer des notifications. Vous aurez aussi la possibilité de déclencher une sirène pour faire fuir les inconnus. Je vous l'ai mis ici en gros. On va faire ensemble l'appairage de cette caméra. Alors qu'est-ce qu'on retrouve encore une fois dans le package? Alors on retrouve une très grosse antenne Wi-Fi. Alors attention, la caméra, pour l'appairer, on utilise le Wi-Fi 2,4 GHz. Alors avec la caméra, on a donc la prise murale qui est livrée avec. Et ensuite, on retrouve la visserie qui est livrée avec pour pouvoir donc agripper votre caméra sur un mur. Voilà tout ce qu'on trouve dans la boîte, tout ce qu'on retrouve dans cette Miko. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description et vous allez même avoir cette caméra pour moins de 70 €. Et en plus, je vous mets un code de réduction dans la description. Donc vous l'aurez encore pour moins de 60 €. Voilà, donc vous trouvez cette caméra sur Amazon et vous aurez tous les liens dans la description. On va donc voir ensemble l'appairage sur l'application iOS. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec notre caméra à installer, la prise murale et l'antenne à installer. Alors le câble est quand même très long, on a un câble d'au moins 3 mètres de long, le câble USB. Dessous la caméra, vous avez deux petites vis à enlever si vous voulez insérer une carte micro SD pour lui donner un peu plus de mémoire au niveau des photos. Alors on est sur un objectif 1080p HD, donc haute définition. Alors dessous la caméra, on a donc l'endroit où on va connecter l'antenne Wi-Fi pour étendre au niveau du réseau Wi-Fi. C'est une antenne qui se visse. L'antenne est multidirectionnelle. Alors pour télécharger l'application iLOT, Y-I-L-O-T, vous allez donc sur votre appareil photo. Code QR de site web, ouvrir une vidéo, comme dans Safari, pièce jointe. Donc tout de suite ça vous dirige sur Safari ou sur Internet sur Android et ça vous dirige tout de suite sur l'application iLOT, donc l'application pour accéder aux paramètres de votre caméra. Une fois que vous avez téléchargé votre application, on l'ouvre. On vous demande de choisir votre emplacement. Index de section ajustable. Vous allez donc rechercher votre pays. F majuscule France. Ici France. Lio. Donc bien sûr. Continuer. Bouton. Une fois que vous avez choisi votre pays, on va sur continuer. Continuer. Bouton. Continuer. Une fois que vous avez choisi France, une deuxième page arrive. Bienvenue à la maison.
Bienvenue à la maison. Créer un compte. Bouton. Vous avez donc la possibilité de créer un compte. Entrez votre email. Champ de texte. Yellowdinai 0. Bouton. Donc, vous allez devoir créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Entrez le mot de passe. Yellowdinai 0. Bouton. Sinon, vous pouvez vous connecter avec votre Facebook ou avec votre Apple ID. Mot de passe oublié. Se connecter. Estompe. Sign in with Apple. Bouton. Connexion avec Facebook. Voilà, donc dès que vous connectez votre caméra, elle vous fait donc ce petit bruit. On la sent vibrer. Elle tourne. Elle se positionne correctement. Elle se calibre. Vous arrivez donc sur la première page pour appairer votre caméra. Appuyez ici pour activer votre caméra de sécurité plus. Associez la caméra près de votre routeur. On ouvre. IICNAVBACK. Mode de connexion. Wi-Fi to connect. Bouton. On va donc la connecter en Wi-Fi. On a donc le bouton Wi-Fi to connect, ce qu'on va faire tout de suite. IICNAVBACK. Aucun. Installation de la caméra. Toujours en partant du haut de votre écran. Attendez 20 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une séquence à deux tons. On a ce petit message. On vient d'entendre la petite séquence. Je n'ai pas entendu de bip. J'ai entendu la séquence. Bouton. On a donc un bouton. J'ai entendu la séquence. IICNAVBACK. I se connecter au Wi-Fi. En tête. Donc on me dit se connecter au Wi-Fi. Livebox 46C4. On est donc sur la Livebox. Appuyez sur ici. Remarque. Certains modèles de caméras prennent en charge la bande sans fil 5 GHz. Pour utiliser un autre réseau Wi-Fi, appuyez sur ici. Bouton 10 caractères. Champ de texte sécurisé. Une fois que vous avez entré le mot de passe de votre box. Bouton. La longueur du mot de passe ne peut pas dépasser 64 caractères et peut être vide. Conseil. Placez la caméra à proximité du routeur. Configuration minimale du réseau. Bouton. Suivant. Bouton. Et vous avez tout en bas le bouton suivant. IICNAVBACK. Bouton. Peut-être. Retour. And wait for it to scan. Vous avez votre téléphone qui fait un bruit de malade et il vous présente un code QR. Vous positionnez votre caméra. Connecting to Wi-Fi. Comme vous venez d'entendre, la caméra vient de dire connect. Wi-Fi is connected. Voilà, donc là, la caméra vient de se connecter. Si vous avez entendu, cliquez sur suivant. Is successful. You can start using your camera now. Vous prenez la caméra, vous la mettez face au code QR et la caméra se connecte toute seule. Une fois que vous avez entendu le message de réussite de connexion, vous partez tout en bas de votre fenêtre sur le bouton suivant. Bouton. Suivant. IICNAVBACK. Pairing bouton. Is successful. Retour. You can start using retour. Your camera now. Donc, on vient d'entendre que la caméra bouton. S'est bien connectée. On continue. Tout de suite, on vous demande de donner un nom à cette caméra. Nom de la caméra. Caméra intelligente. Champ de texte. Salon. Chambre. Elle s'appellera caméra intelligente. Salon. Et on vous demande de la positionner dans une pièce. Alors comme elle sera à l'extérieur, je vais mettre jardin. Cuisine, chambre, salon, jardin, chambre de bébé. Voilà, donc vous pouvez la positionner là où vous voulez. Jardin. C'est parti, je la mets. Cuisine, jardin. Une fois ceci fait, vous allez tout en bas sur le bouton. Fini. Bouton. Fini. Voilà. Ici, Miko vous offre un service premium. Alors, vous offre oui et non. Ils vous le font payer un service cloud si vous voulez avoir vos images et vos photos dans le cloud. C'est vous qui décidez si vous voulez la prendre ou pas. Ici, on continue. Suivant. Bouton. Enregistrer des mouvements continus sans limite. Il faut être abonné au cloud. Nous proposons deux modes de paiement pour répondre à votre besoin de flexibilité, le renouvellement automatique et le paiement unique. Le service Cloud Premium permet aux caméras d'enregistrer chaque fois qu'un mouvement est détecté sans restriction de 6 secondes ni période de refroidissement entre les enregistrements. Les vidéos sont enregistrées dans le cloud pendant 7/15/30 jours et accessibles depuis l'application You même si votre caméra est débranchée ou volée. Io. Alors, le mieux, une fois que vous avez eu tous ces messages, vous fermez l'application, vous la réouvrez. Voilà donc, une fois l'application ouverte. Bouton. Si je lance la caméra, bouton. Tout de suite, elle se connecte. On peut voir ici
je mets la main devant l'objectif. Voilà, on voit ma main bouger. On va maintenant donc la connecter sur son support et voir tout ce qu'on peut faire avec. C'est parti les amis. Ici, on arrive sur tous les paramètres de la caméra. Base, caméra en barre oblique off. Nom de la caméra, paramètres, Echo Show. On peut donc la connecter sur notre Echo Show. Détection intelligente, cloud. Activer le service cloud premium et consulter sécurité. Code protection PIN, code PIN requis pour accéder à la caméra. On peut donc protéger la caméra avec une protection PIN. Stockage. Stockage, anomalie détectée, le formatage requis. J'ai mis donc une carte SD, il faut donc maintenant la formater, ce qu'on va faire tout de suite. En tête, stockage, UZ, non %, formater la carte mémoire. Alors on va la formater tout de suite. Toutes les vidéos dans la carte micro SD seront supprimées après formatage, continuer, annuler, ok, bouton. Donc je formate direct ma carte micro SD. IICNAV back, avertissement, le formatage, bouton. Le formatage a réussi, je suis revenu sur ma caméra et maintenant c'est cool, ma carte SD va récupérer les photos qu'elle va prendre. Alors ici la caméra est en train de s'initialiser avec la carte micro SD. Fuseau horaire, suivi de mouvement. Suivi de mouvement, bouton activé. Là vous activez le suivi de mouvement. Regardez ça, si je bouge, la caméra bouge avec moi. C'est franchement génial puisque regardez ici. Si je m'en vais sur le côté, la caméra est en train de me suivre à la même vitesse où je m'en vais. C'est assez impressionnant les amis. Regardez à la vitesse où elle bouge, puisque là je bouge quand même assez vite. Et ici la caméra est entièrement capable de me suivre. C'est vraiment super balèze. Alors imaginez-vous, vous pouvez suivre vraiment les personnes en temps réel. Mode appel, interphone. Vous avez donc même un mode appel interphone, c'est franchement classe. Regardez ici, je vais l'activer. Version actuelle, 7.1.0.0. Alors, vous allez pouvoir communiquer. Interphone. Vous avez donc un système de main libre. En mode interphone, un seul côté peut parler et écouter à la fois. Donc en mode interphone, si vous mettez votre caméra en mode interphone, vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur, donc par exemple un livreur ou toute autre personne qui se pointerait devant chez vous. Et chaud chaud. Alors, possibilité d'avoir sur votre Echo Show, donc sur un grand écran, si vous avez une Echo Show 10 pouces, d'avoir le suivi, l'image en temps réel. Et ça, c'est super génial. La caméra zoom jusqu'à 4 fois. Paramètres, en tête. Toujours dans les paramètres, on a la détection de mouvement, de bruit. Détection de mouvement, bouton, désactivé. Détection de mouvement. Toucher deux fois l'écran rapidement pour... On a donc une possibilité donc, de détecter les mouvements, que l'on soit prévenu par notification. Activé. On va l'activer. Niveau de sensibilité, haut. On peut donc régler la sensibilité. Notification sonore. Notification sonore. Son anormal, alerte lors des accents aigus, une émission des accents aigus, un son anormal, aide, ou son de pleurs de bébé sont détectés. Alors vous pouvez faire donc déclencher la caméra, qu'elle vous envoie notification, si elle détecte un son anormal, un son de bébé, etc. C'est vraiment génial, si vous avez un grand terrain, ça peut être vraiment une superbe idée de cadeau de Noël. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez pas donc prendre le stockage dans le cloud, vous mettez une carte micro SD à l'intérieur. Méthode d'enregistrement sur carte mémoire. On enregistre lorsqu'un mouvement est détecté. Off enregistre toute la journée. Méthode d'enregistrement sur carte mémoire. On stockage. Veuillez installer le client Cineweibo. Réseau. Supprimer la caméra. Et tout en bas, vous pouvez supprimer la caméra si vous voulez plus la voir sur votre réseau. Alors, vous avez aussi un joystick pour diriger votre caméra. Et un système. Et ici, un système de zoom. C'est vraiment le top. Trois onglets en bas qui vont vous permettre de gérer votre compte et l'écran d'accueil de la caméra. Et le cloud. Voilà, donc on va tout de suite aller mettre en place la caméra. Et pour ceci, vous n'avez que besoin d'une petite visseuse avec un cruciforme. Vous avez les vis, votre caméra et vous allez le placer dehors. C'est parti. Alors les amis, donc c'est enfin terminé. Tout est installé. On va ouvrir l'application. On ouvre l'application. Et regardez, ici on est un peu plus de 5 heures de l'après-midi, on est 6 heures. Et on dirait vraiment qu'il fait jour.
Et la caméra, c'est assez hallucinant puisqu'elle tourne sur elle-même, surveille votre maison. Voilà, donc bien sûr, on peut se mettre ici en mode paysage comme en mode portrait. Et regardez ça, on est vraiment la nuit. La caméra surveille la maison de droite à gauche. C'est vraiment génial. Voilà, je vous montre, on est vraiment en pleine nuit. Et regardez ici, la caméra est toujours en train de surveiller. Ici, vraiment, c'est la nuit. Regardez voir. Et la surveillance est totale. Donc, la caméra est en pleine surveillance. C'est vraiment assez hallucinant. Et regardez, les amis, là, on est en train de me voir. Je suis en train de me filmer. La caméra m'a chopé. En plus, il pleut. C'est assez hallucinant. Et regardez si je marche. Regardez, la caméra m'a pris. C'est assez hallucinant. Et regardez, dès que je bouge, elle m'a capté. Ici, je suis en train de bouger. Hop, elle me suit. C'est super hallucinant, les amis. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle caméra. Je vous mettrai donc tous les liens de réduction avec le bon, avec le coupon de réduction. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de cette caméra. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous !